Emmanuel Pira, bonjour. Bonjour. Nous sommes à nouveau au musée du Barreau pour une exposition qui sort de ce qui a été présenté précédemment, puisque là, il y a une grosse présentation d'archives sur un sujet qui te tient à cœur. Parle-nous-en. Parfait. Alors, le musée du Barreau, pardon, bonjour. Le musée du Barreau est très fier d'accueillir cette exposition de Dreyfus à Zola. On va dire 16 ans d'affaires qui ont divisé la France, révélé les vieux démons qu'il a en tête, l'antisémitisme, la haine des autres. Une affaire extraordinaire qui mêle d'abord le capitaine Dreyfus, le fameux Alfred Dreyfus, qui sera dégradé militairement et puis emprisonné à la prison du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement avant d'être envoyé au bagne. On connaît ensuite l'affaire et la façon dont surtout Émile Zola va rentrer dans cette histoire, prendre sa plus belle plume et, au gré de 16 articles fameux, dont le plus connu, évidemment, est J'accuse, permettre peu à peu de se poser des questions et de revenir sur tous les éléments à charge contre Dreyfus jusqu'à la révision finale en 1906. Cette exposition, elle nous tient à cœur parce qu'elle est concomitante à la sortie du film de Roman Polanski le 13 novembre. Elle nous tient à cœur, cette exposition, aussi parce qu'elle nous permet de montrer les archives inédites très importante que le musée de Barreau de Paris détient. Il y a plusieurs grands fonds d'archives autour de Dreyfus. Il y a bien sûr celui du ministère de la Défense. Dreyfus est à l'origine un capitaine. Il est dans l'armée. Il est poursuivi d'abord devant les juridictions militaires. Juridictions militaires qui sont composées donc d'officiers et qui jugent à huis clos, ce qui participera grandement au mystère de l'affaire. Au début, la presse, le grand public spéculeront sur ce qu'il se passe réellement parce que tout se déroule dans une enceinte militaire sans accès au débat. En tout cas, aujourd'hui, le ministère de la Défense possède toujours les archives du procès et nous possédons en regard, en contrepartie, les archives des avocats. Des avocats qu'ils aient été ceux de Dreyfus, ceux de Zola, le bâtonnier Demange, le bâtonnier Laborie, mais aussi des archives d'avocats qui ont été les avocats de l'état-major, qui ont été les avocats de grandes personnalités. Il y a eu beaucoup de procès dans le procès et d'affaires dans l'affaire, et nous sommes très fiers de pouvoir montrer ces archives inédites qui ont été enrichies par la provenance des sources importantes. Le petit-fils du capitaine Dreyfus, qui est toujours vivant, donc c'est un monsieur très âgé qui a grandi avec cette histoire face à lui, nous a permis de recueillir un certain nombre d'archives totalement inédites de la main du capitaine Dreyfus. Et nous avons pu constater que tu avais des lettres de Lucie Dreyfus, qu'il y avait l'examen graphologique qui était affiché aussi et qui est fort intéressant parce que tout vient de là. C'était une accusation sur un document qui n'était pas du tout de la main de Dreyfus. Mmh. Oui, parmi nos archives les plus importantes, évidemment, le début de l'affaire, c'est capitaine Dreyfus est arrêté à partir d'une accusation, un bordereau qui est trouvé dans une poubelle par une femme de ménage à l'ambassade d'Italie et qui le rapporte parce qu'elle est agent double, cette femme de ménage. Elle travaille officiellement pour l'ambassade d'Italie et en même temps, elle est au service de la France. Et elle trouve ce bordereau dans la poubelle. Elle dit « cela ne peut venir que de l'état-major ». C'est un traître qui a livré des informations militaires sur les positions françaises à l'ennemi, l'ennemi étant l'Allemagne et l'Italie, c'est-à-dire les ennemis de la guerre de 1870. À partir de là, qui à l'état-major a pu détenir ces informations et qui a pu les donner? Très vite, les accusations se tournent vers celui qui est juif, alsacien, donc pas complètement français au regard de critères absolument nauséabonds qui existent déjà à l'époque. Capitaine Dreyfus est très vite confronté à cette écriture. On lui demandera de recopier à côté. On en tirera des conclusions hâtives qui sont aujourd'hui largement déjouées par ce qu'on appelle la graphologie. En tout cas, on dira, tiens, il sait recopier le texte, il arrive à l'écrire, donc c'est lui et c'est presque la même écriture. 5 jours plus tard, il est traduit devant le conseil, devant les tribunaux militaires. Et entre-temps, Lucie Dreyfus, sa épouse, extrêmement évidemment inquiète, commence à écrire et à saisir tous leurs amis, des intellectuels, pour qu'elle leur demande de témoigner. Nous avons ces témoignages incroyables, ces premières lettres de Lucie Dreyfus envoyées juste après l'arrestation du capitaine Dreyfus, avant sa condamnation, avant sa dégradation militaire, le sabre cassé dans la cour des Invalides, tous ces épisodes que nous connaissons beaucoup. Il y a cet examen des écritures très important qui se fait d'abord à charge contre Dreyfus, et puis après dans lesquels on demandera à tous les protagonistes de recopier également et de revenir sur cette écriture, donc des bordereaux de comparaison, l'écriture d'Esterhazy, l'écriture de Picard, tout le monde est obligé de recopier le fameux texte du bordereau pour que les écritures soient confrontées, c'est l'invention
de la graphologie moderne. L'affaire Dreyfus, c'est l'invention, l'arrivée pour la première fois des intellectuels dans un débat judiciaire et politique. La seule exception dans l'histoire de France, jusqu'ici, c'est Voltaire et l'affaire Calas, mais c'est une exception. Les intellectuels se tiennent en dehors des affaires politiques et des affaires judiciaires, à une ou deux exceptions près, évidemment, donc ils ont d'autres fonctions, Victor Hugo, sénateur, mais globalement, les intellectuels ne se mêlent pas et ne débattent pas des affaires de la société. Et là, pour la première fois, tous les intellectuels vont prendre position de part ou d'autre, d'un côté ou de l'autre, dans cette affaire. De la même façon que tous les Français, on connaît la formule, hein, ils n'en ont pas encore parlé, ils en ont parlé, et on voit la table mise pour le dimanche, puis on voit la table ensuite défaite avec les assiettes cassées. Tous les Français se passionneront. Nous possédons ici énormément d'objets qui montrent l'implication dans la vie populaire par la vaisselle, par la faïence, par les cartes postales, par les jeux de loi, par les affiches, par les caricatures qui sont du côté des anti-Dreyfusards, des anti-Zola et du côté, heureusement, au bout d'un certain temps, des partisans du capitaine Dreyfus et du partisan du combat pour la vérité. Donc en fait, cette exposition est tout à fait indispensable pour les gens qui vont aller voir le film. C'est même en préliminaire, ça pourrait être intéressant qu'ils viennent parce qu'il y a ce fameux film de Roman Polanski qui sort ces jours-ci, J'accuse, et je pense que justement, ils ont dû venir consulter vos archives, raconter tout ça. Alors, le film de Roman Polanski, sur les écrans, depuis le 13 novembre, est un grand film. C'est un film dans lequel il faut se départir de tout préjugé sur Roman Polanski et sa vie ou ses aventures judiciaires. Il faut s'intéresser à un grand cinéaste, et un cinéaste qui livre peut-être son plus grand film. Il a été ovationné à la Mostra de Venise à la fin de l'été 2019. Il a obtenu, on le voit ici, le Lion d'argent et le Grand Prix du jury. C'est un film avec Louis Garrel dans le rôle du capitaine Dreyfus et Jean Dujardin dans le rôle de Picard. C'est un grand film parce que c'est un film qui s'est travaillé à partir de l'histoire. C'est un film sur un livre américain d'un certain Harris qui a travaillé de façon très américaine pour écrire une sorte de novélisation, un récit très saccadé et très séquencé sur l'affaire Dreyfus, mais qui a travaillé à partir d'archives historiques, même s'il s'est éloigné, réinventant des dialogues, réinventant, on va dire, non pas des épisodes, mais une forme de narration très particulière. Et le film a été réalisé à partir de sources historiques extrêmement importantes, dont les nôtres, à partir avec la coopération de magistrats, avec la coopération de spécialistes, d'historiens de la justice. Nous sommes très amis avec ceux qui ont été partie prenante à l'élaboration, à la création, à la réalisation de ce film. Le président Jean était ici pour l'inauguration de cette exposition. Il est le conseiller historique du film. Le film a été tourné en partie au palais de justice, mais pas que, au palais de justice de Paris, de l'île de la Cité. Il a été tourné dans différents lieux de Paris qui sont contemporains des bâtiments de la fin du 19e siècle, dont certains ont disparu, qui ont accueilli le procès de Dreyfus. Ils ont reconstitué une cour d'assises pour le procès de Zola. Il n'y a plus beaucoup de cours d'assises. Ça a été tourné à Paris, dans la première chambre de la cour d'appel, qui n'est pas une cour d'assises, mais qui a le mérite d'être restée dans son jus du 19e siècle et de ne pas connaître de box vitrée où on accueille les accusés aujourd'hui. Et donc, c'est un grand film. Nous sommes très heureux de ce partenariat. L'équipe du film a eu l'extrême gentillesse de nous prêter, de nous confier, alors, cette affiche, évidemment, mais beaucoup de photos de plateau, c'est-à-dire des photographies d'une grande qualité, le storyboard de Roman Polanski, qui permet donc de filmer scène après scène et de suivre toute l'affaire. Voilà, nous sommes très fiers de pouvoir travailler avec ce film qui, je le pense, marquera l'histoire du cinéma, marquera la filmographie sur l'affaire. Il n'y a pas eu de grands films sur l'affaire Dreyfus depuis 50 ans. Il y a eu des téléfilms, mais les derniers grands films datent d'il y a plus de 50 ans. Et donc, je pense que ça sera à la fois une leçon d'histoire, une leçon de pédagogie, une leçon aussi de lutte contre les démons qui s'emparent de la France et de l'Europe en 2019. Et nous sommes très heureux de participer à ce moment d'éducation, de transmission et de souvenirs et de mémoire. Alors nous, qui avons pu regarder l'exposition, pas encore vu le film, nous avons beaucoup apprécié les mises en place des photos du film au sein des différentes vitrines, parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était du prix sur le vif. Donc ça, c'est vraiment super. Ça a été un gros travail de préparation avec ta collaboratrice, oui, ta directrice Cindy
Et je pense qu'on vous doit un grand bravo et puis on espère un grand succès parce que j'ai l'impression qu'il y a des visiteurs qui aiment l'expo, qui viendront et reviendront. Bien sûr, nous sommes ravis, merci de nous adresser quelques lauriers. Je pense que le film est un grand moment d'histoire, un grand moment qui permet de comprendre l'affaire. Nous utilisons ces photos et nous avons mis en scène en quelque sorte le film et l'affaire de façon à la rendre encore plus lisible. Et nous sommes très fiers du travail accompli avec Cindy Gérassi, directrice de ce musée. Je n'en suis que le conservateur qui a travaillé remarquablement à partir de nos archives. Je voudrais juste souligner que nous avons ici, parmi les documents les plus précieux, une lettre du capitaine Dreyfus de 1906, qui est donc la lettre adressée à ses juges pour les remercier d'avoir révisé sa condamnation. C'est un document exceptionnel qui n'a jamais été montré, qui est très émouvant. Nous avons ici plusieurs dizaines de lettres d'Émile Zola, qui viennent des dossiers de correspondance, on va dire, confidentielle jusqu'alors, entre le bâtonnier Labori qui l'a défendu et Émile Zola. Et Émile Zola continuera d'écrire à propos de l'affaire et à ses avocats qui deviendront aussi ceux de Dreyfus. Et c'est la première fois que nous montrons ces lettres inédites. Émile Zola, c'est quand même très important. Voilà, donc nous sommes très fiers de cette exposition qui est véritablement pour nous et l'autre pan, l'autre clé de lecture sur cette affaire, avec le film aujourd'hui. Bon, alors quand même une petite précision, où se trouve ce superbe musée? Nous sommes ici dans le musée du Barreau de Paris, 25 rue du Jour, dans le premier arrondissement. Pour ceux qui ont plus de 250 ans, c'était la rue du Séjour du Roi, aujourd'hui c'est la rue du Jour. Elle est juste à côté de l'église Saint-Eustache et des Halles de Paris. Elle est donc facilement, ce bâtiment est facilement trouvable. Il est ouvert au grand public tous les week-ends, notamment l'après-midi, le samedi et le dimanche après-midi, avec une billetterie assez simple. Et puis vous pouvez aller sur notre site internet museedubarreau.paris.com ou sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter et sur notre fil Instagram pour suivre des détails pratiques et quelques images de notre exposition. Et puis dans la semaine, nous accueillons des groupes accompagnés par nos guides conférenciers qui permettent de passer un peu plus de temps et de comprendre encore un peu mieux cette affaire et cette magnifique exposition de Dreyfus à J'accuse. Juste une petite précision pour les groupes, à partir de combien de personnes tu considères que c'est un groupe? À partir de entre 20 et 25 personnes, nous constituons des groupes et nous agrégeons ceux qui veulent participer à un groupe. Il reste quelques places à chaque fois, donc nous complétons. Il suffit d'aller sur nos réseaux et notre site et de vous inscrire et de nous rejoindre pour une visite passionnante autour de cette affaire. Ok, merci beaucoup. Merci.